Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Quai des Savoirs. Merci de votre présence. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur Facebook Live en direct pour cette soirée un peu exceptionnelle, puisqu'on reçoit non pas un Toulousain ce soir, mais un Grenoblois, un Parisien, voire peut-être un Chinois. Il va nous en parler. On reçoit Joël Chevrier ce soir, donc, qui est professeur de physique à l'Université de Grenoble et également professeur associé au Centre de recherche interdisciplinaire Le CRI à Paris. Alors, pourquoi un prof de physique dans une expo sur le design pendant le mois design, allez-vous me dire? Eh bien, la réponse, elle est toute simple, c'est que ce mois design, il a été construit autour de la présentation de trois expositions que vous trouvez, vous pouvez découvrir au Quai des Savoirs jusqu'au 7 novembre prochain. Une exposition qui s'appelle l'Observeur du design, qui est une exposition qui présente les meilleures réalisations, en tous les cas les réalisations primées par les designers français pendant l'année 2018, donc primées par leur pair et par un jury international. Ce sont des réalisations que vous pouvez voir dans le domaine du design de service, du design produit, du design d'interface. Donc vous pouvez comme ça découvrir l'ensemble des différentes facettes des métiers du design. Et puis également une exposition qui s'appelle Supra Design, et c'est là où on en vient au domaine scientifique, puisque cette exposition a été réalisée par le Centre de culture scientifique de Saint-Étienne, La Rotonde, avec l'association La Physique Autrement et également Julien Bobrov, qui est prof également de physique, chercheur à Paris-Saclay, et qui a donc réalisé ce travail autour de la physique quantique, comment les designers peuvent parler de physique quantique. Donc tout un programme que je vous laisse découvrir au Quai des Savoirs, et enfin une exposition sur d'étudiants designers de Toulouse qui ont été formés au lycée Rive Gauche ici à Toulouse et qui présentent en fait leur diplôme à travers un showroom au Quai des Savoirs. Alors ce soir, donc, Joël Chevrier va nous parler de design et de sciences frugales aussi. Comment, en fait, Joël, on se connaît pour dire la vérité, depuis un petit moment, comment, en fait, oui, c'est vrai, oui. comment vous avez été inspiré par le design, par les designers, dans le métier à la fois d'enseignant et de chercheur en physique. Et donc, on prendra, à l'issue d'une présentation d'une quarantaine de minutes, on prendra ensuite des questions, vos observations, vos commentaires, que ce soit en ligne, vous pouvez commenter également sur Twitter et dans la salle, bien sûr. Joël, on vous écoute. Très bien, merci beaucoup, merci pour l'introduction. Donc, c'est vraiment un plaisir que d'être à Toulouse et d'être, pour la première fois pour moi, au Quai des Savoirs. Je n'étais jamais venu. Et c'est vraiment un bel endroit, en plus donc avec l'exposition de Julien Bobrov, qui est un ami très cher et avec lequel j'ai travaillé beaucoup ces dernières années. Donc finalement, dans cette présentation, dans cette conférence, je vais essayer de vous convaincre du fait que comme physicien, j'ai un très grand plaisir à travailler avec les designers et que je trouve que quand on fait une alliance entre les scientifiques et les designers, on arrive à couvrir un champ et à faire des propositions, et notamment du côté de peut-être de l'enseignement, de la pédagogie, qui me paraissent très intéressants. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, donc cette présentation, je vais la structurer. Pardon, c'était un peu vite là. Je vais la structurer autour science et design. La question aujourd'hui de apprendre et faire simultanément, et dans ce monde en urgence, parce que heureusement, on a eu, semble-t-il, un sursaut de lucidité. Et le monde en urgence, bien évidemment, il s'agit de la transition écologique. Donc, je ne vais pas dire que science et design est l'alpha et l'oméga qui permettra de travailler la transition écologique. Je vais plutôt dire que c'est une façon, une grille pour penser la façon d'apprendre et de faire dans le cadre de cette transition écologique pour les gens depuis l'école maternelle, peut-être, jusqu'à la fin de la vie, peut-être. Voilà. Donc je vais commencer avec ça, et tout d'abord pour dire que si j'ai beaucoup de plaisir donc comme physicien à travailler avec des designers, ben je vais vous en présenter quelques-uns qui sont ceux avec lesquels je travaille donc au Centre de recherche interdisciplinaire. Le Centre de recherche interdisciplinaire a été fondé par François Taddeï, Ariel Lindner
il y a de ça maintenant plus de 10 ans, je pense. Et c'est finalement la question qu'on se pose au Centre de recherche interdisciplinaire, c'est comment on apprend aujourd'hui, quelles propositions on peut faire pour apprendre aujourd'hui dans un monde dans lequel nous avons 2 milliards de smartphones, par exemple, et dans lequel l'accès à la connaissance est tout à fait normalement immédiat. Mais l'accès à la connaissance, ce n'est pas nécessairement apprendre tout de suite. Donc, moi, physicien, je travaille avec Claire Héliot, qui est une designeuse textile, avec Adrien Husson, qui est un ingénieur et un designer, et avec Marion Voileau, qui est une architecte et une designeuse, qui commence une thèse sur justement ces questions d'innovation pédagogique. Donc, un physicien, avec des cheveux un petit peu gris, et 3 jeunes designers qui sont là. Et quelle est la question qu'on est en train de se poser? Alors, finalement, la première chose que je vais dire, c'est: est-ce que c'est si intéressant? Est-ce que vous avez déjà l'habitude? Est-ce que vous avez déjà été touché dans votre vie par une alliance science et design? Est-ce qu'il y a un endroit où vous dites vraiment, ça a changé ma vie, enfin, ça a changé la mienne? Vous, c'était déjà pour tous les gens qui sont plus jeunes que moi, l'affaire était faite. Et oui, bien sûr, ça a changé votre vie, et c'est ce que j'essaye de représenter ici avec ces 3 images. Alors, dans ces 3 images, celle qui est là, évidemment, aujourd'hui, on ne la mesure plus. Parce qu'on dit, c'est une banalité, c'est 2 personnes qui jouent avec, enfin 2 enfants qui jouent avec des tablettes sur une pelouse. Bon, et c'est juste vrai, quoi. Sauf que ce dessin a été fait par Alan Kay en 1973. Donc en 1973, comment dirais-je, il n'y avait même pas de calculatrice, quoi. Donc faire ce dessin en 1973 était vraiment une anticipation qui était absolument extraordinaire. Ils avaient essayé quand même de dimensionner la tablette en question, elle devait faire au minimum 1 mètre cube, quoi. Donc c'était, on n'y pensait même pas. Bien entendu, arrive donc 2007, et ben, de Alan Kay à Steve Jobs, c'est des gens qui travaillaient ensemble tout ça. Hein. De Alan Kay à Steve Jobs, 2007, donc on a le smartphone qui est arrivé. Et quelques années plus, donc on dit, c'est très bien, donc le numérique est arrivé, la connaissance est là, on peut travailler, ça va être aussi un outil pédagogique extraordinaire. 2018, Jean-Michel Blanquer, pas de smartphone à l'école, pas d'écran, pas de clavier. Alors, donc on passe de 1973, où ça paraît comme un espèce de rêve, et notamment un rêve pour l'école, à Jean-Michel Blanquer cette année qui dit une loi est votée, on n'en veut plus. Et je crois qu'il a raison. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, où se trouve là-dedans la question de la science et du design? C'est de ça dont j'étais parti. Et j'essayais de dire que ça, c'est le résultat, en tout cas de 2007 qui est là, c'est le résultat d'une alliance science, technologie et design. Il n'y a jamais eu plus de science et de technologie dans le monde qu'aujourd'hui, massivement. On a équipé donc la planète avec 2 milliards de smartphones, un nombre équivalent de tablettes, et maintenant vous avez la croissance des objets connectés, donc tout ça est connu, on le voit, mais en fait, on le voit, mais on s'en fiche. Ce n'est pas très grave. Le design est là pour faire en sorte que toute cette technologie soit bien adaptée à ce que nous sommes, à la façon dont nous vivons, à notre façon de percevoir les choses et de jouer avec. Vous n'êtes pas en train en permanence de vous dire « Eh oui, quand je manipule mon smartphone, il est en train de mesurer mes mouvements, il est en train d'acquérir des données. » Il y a actuellement une conférence ou un atelier du CNRS qui s'appelle « Tous mesureurs, tous mesurés ». La science dans la société ou quelque chose comme ça. Ce qui dit bien qu'en permanence, il y a énormément de choses qui font de la science et de la technologie, y compris à notre insu. Et pour moi, le design, à travers les interfaces utilisateurs, est là pour faire qu'on oublie cette partie-là. Elle n'est pas présente. Dans le smartphone, c'est particulièrement spectaculaire. L'interface utilisateur est merveilleuse et elle s'adresse... Vous ne pensez jamais que dedans, il y a un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre... Oui, les physiciens, mais sinon les autres, non. Il n'y a que les physiciens qui se posent ces questions-là, j'y reviendrai. Moi, les gens comme moi, effectivement, je regarde un smartphone, je vois un labo, mais il n'y a que des gens comme moi qui voient ça. Les autres, ils disent non, moi, je vois des textos, je vois des écrans, je vois des YouTube, je vois des messages que j'envoie, je vois ça. C'est-à-dire, je vois mon usage, je vois ma perception, j'écoute de la musique, je regarde, etc. Donc, en fait, le smartphone, il se couple à votre vue, à votre oreille, à votre main et à votre façon de bouger. Et ça, c'est les designers. Ça, c'est les designers qui ont fait ça et qui ont pris la science et la techno et qui l'ont adapté à la façon que nous avons de vivre. Alors, c'est un résultat fantastique, hein, parce qu'ils ont changé le monde, hein, avec les scientifiques et les gens de la technologie. Tout ce monde-là a changé véritablement le monde, mais pour l'éducation aujourd'hui, on est en train de dire, attendez, il y a 2 petits problèmes quand même. Léger, pas grave, vous allez voir. Bon, il y a un problème quand même, c'est qu'on parle de plus en plus de sédentarité et qu'on dit les gens restent assis. Bon, tous, on perd notre mouvement. Et puis le deuxième aspect, c'est
finalement, quand vous êtes enseignant, ce que vous faites d'abord, pour en discuter après, parce que je sais qu'il y a une enseignante dans la salle, et quand vous êtes enseignant, ce que vous faites, c'est que vous gérez le temps. Vous accueillez les gens, vous les faites travailler dans la journée, vous répétez le lendemain, vous répétez la semaine d'après, vous travaillez sur le rythme des saisons, le rythme mensuel, des trimestres de l'école, et la gestion du temps pour un enseignant est extrêmement importante. Le smartphone ne vous laisse pas gérer le temps. Le smartphone, c'est ici, maintenant, présent. Ça a été théorisé par quelqu'un qui est aussi du côté... Là, on parle d'humanité digitale, mais la partie design est extrêmement importante, qui est à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui s'appelle Frédéric Kaplan. Et Frédéric Kaplan, il parle de la croissance exponentielle du présent. C'est-à-dire que notre présent est tellement écrasé de données en permanence, on est tellement multiconnecté que notre passé ne compte plus, on n'a pas besoin du passé. Et on n'a pas besoin du passé pour se projeter dans le futur. On est sur le fil du rasoir en permanence avec un présent qui s'est dilaté considérablement. Mais ça, ce n'est pas le temps de l'apprentissage, ce n'est pas le temps de l'école, ce n'est pas les temps multiples auxquels nous sommes habitués. Donc finalement, la partie que des gens comme moi sommes en train de jouer, c'est de dire, mais alors au fait, est-ce qu'on peut rejouer cette partie du mouvement, du geste? Est-ce qu'on peut rejouer cette partie du temps? Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de se dire, si vous avez votre smartphone, mais que vous n'avez pas droit au clavier et à l'écran, qu'est-ce qui vous reste? Je répète, hein, vous avez votre smartphone, mais vous n'avez pas droit au clavier, pas droit à l'écran. Alors, avec François Tadéhi, au Centre de recherche interdisciplinaire, on dit, ce qui vous reste, ça s'appelle une baguette magique. C'est-à-dire un truc que vous bougez, et quand vous le bougez, il transfère de l'information dans un espace qui n'est pas l'espace réel, qui est ailleurs, c'est l'espace virtuel. Et quand vous écrivez, vous bougez la main, et vous laissez une trace qui est l'information que vous avez laissée. Avec un smartphone, vous pouvez faire pareil. Les logiciels existent, juste pour le plaisir, je vais vous en faire tourner un. Ça, c'est donc... Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez même le faire en même temps. Mais il faut que vous soyez rapide et que vous copiez sur votre smartphone l'adresse qui est là et que vous fassiez la même chose que moi en même temps. Normalement, j'ai de l'avance, je devrais y arriver avant vous. Puisque si vous arrivez à le faire, ça va être un peu le bazar, parce que, en fait, donc je bouge un smartphone, il se passe quelque chose. Hein. Pour le moment, je ne bouge pas, il ne se passe rien. Si j'ai bien branché comme il faut, ça doit marcher. Bon, on va arrêter parce que ça va un moment. Et l'idée là, c'est que ce truc-là est fait pour capter votre mouvement avec une très grande finesse. Il est en train vraiment, vous faites ça. Ça, c'est les mouvements des physiciens. Hein. Translation, la rotation, c'est ce que j'adore. Hein. Mais ça signifie que lui, il est fait pour le mesurer avec une très très grande finesse. Donc ça veut dire que quand on dit qu'on peut s'en servir pour bouger et transmettre de l'information ou apprendre des choses, on va le faire pour de vrai. Donc Marion Voileau, l'étudiante en thèse qui commence donc dans cette collaboration avec l'IRCAM. L'IRCAM, c'est un centre de recherche qui est à côté du centre Pompidou. Le A et le M, c'est pour acoustique et musicale. C'est Institut de recherche à création acoustique et musicale qui avait été créé par Pierre Boulez. Donc cette collaboration entre le CRI et l'IRCAM consiste à dire, mais ces questions du mouvement, ça... Là, ce que font les enfants qui sont ici, ils ont tous des smartphones, mais ils ne les regardent pas. Ça ne sert à rien de les regarder, l'écran est noir, il ne se passe rien. Par contre, ils sont en train de tous contribuer à une histoire qui s'appelle la géante endormie. Et la géante endormie, elle se réveille, elle bouge, elle s'étire, elle fait des mouvements. Et donc, les enfants sont en train d'apprendre le numérique en bougeant avec la géante endormie et en bougeant dans une histoire. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réinventer le Pierre et le Loup du 21e siècle, sur la base des smartphones, mais dans lesquels on est en train de bouger. C'est ça qu'on est finalement une façon de le voir et qu'on est en train de faire. Et ce que va faire Marion, c'est de se dire, le numérique est présent, tel qu'il existe habituellement, c'est une designeuse, hein, tel qu'il existe habituellement, c'est pas ça qu'il faut, et notamment pour les enfants, donc on va redéfinir le numérique, et ça c'est un vrai travail à la limite science et design. Donc le science et design qui est parti au départ, science, technologie et design qui a défini le numérique pour nous, il ne l'a pas défini pour l'école, il l'a défini même contre l'école. La gestion de l'attention. Là, maintenant, la partie qui est en train de se rejouer, on reprend science, technologie et design, on se dit, mais on peut faire un numérique pour l'école parce qu'il est présent et il faut éduquer les enfants à ça. Donc, pour le moment, on sort le smartphone de l'école, mais peut-être qu'on arrivera à mettre l'école dans le smartphone. C'est vraiment ça, le projet après lequel on court. Bon, il y en a pour un moment. Hein. Je crois que je vais repousser la durée de ma carrière. Une autre chose qu'on a faite, parce qu'on s'est dit, mais peut-être qu'on peut garder le clavier et l'écran. Donc ça, c'est un montage qui existe pour de vrai, exactement comme ça, puisqu'il est installé dans l'exposition qui s'appelle Corps et Sport, qui est à la Cité des Sciences actuellement. Donc si vous passez à Paris et que vous voulez donner quelques coups de poing dans ces sacs de boxe, vous pouvez.
Et donc l'idée maintenant, c'est que le clavier, c'est le sac de boxe. Donc quand vous tapez, vous passez de l'information dedans. Et l'écran, c'est aussi le sac de boxe parce qu'il est équipé avec des LED qui s'éclairent et qui vous renvoient de l'information. Donc ça signifie qu'en fait, ils sont en train de faire un combat à distance, ils ne se tapent pas dessus, et ils sont en train d'apprendre à bouger, ils sont en train d'apprendre à bouger ensemble, et ils sont en train de faire de la boxe éducative, mais sans se taper dessus. Donc on s'est dit que c'était peut-être une voie à explorer que de le faire comme ça. Et au cœur, bien entendu, quelle est l'idée ? L'idée, c'est d'apprendre à bouger ensemble, d'apprendre les gestes de la boxe éducative qui sont des gestes extrêmement sophistiqués, et d'arriver à le faire ensemble dans une espèce, maintenant, un combat qui est devenu plus un ballet et un échange entre deux personnes plutôt que se taper dessus. Donc ça veut dire que ce premier exemple, design et science, on est parti d'un numérique dans lequel science, technologie et design avaient été vraiment l'alliance qui avait changé le monde. Et maintenant, c'est de se dire, mais la même alliance peut peut-être à nouveau intervenir dans les changements du monde tels qu'on les souhaite. Ici, c'est pour le numérique et l'éducation. Et le numérique et l'éducation, ça veut dire, ça peut être aussi, par exemple, la rééducation. Donc, on va travailler sur éducation, santé et le sport, vous l'avez vu avec les sacs de boxe. Donc, on travaille dans les trois domaines, sciences, technologie et design, reconfigurés pour venir faire de nouvelles interfaces qui vont travailler sur le sport, l'éducation et la santé. Et quelquefois, les trois se mélangent, hein, bien entendu. Sport et éducation, ça va très bien ensemble. Sport et santé, ça va très bien ensemble. Et simplement, il faut tout refaire. Et il y a des tas de gens qui sont en train de tout refaire. Par exemple, pour la santé, vous avez de nouvelles interfaces qui sont beaucoup plus scientifiques, qui vont être pour les gens qui courent, ils en ont l'habitude. Le mouvement quantitatif self, dans lequel on mesure ses paramètres personnels, on marche, on court, ses paramètres cardiaques, etc., c'est déjà une approche beaucoup plus scientifique et beaucoup plus quantitative donc, de ces aspects-là. On peut en discuter. Hein. Dans certains cas, il n'est pas sûr que ce soit une très, très bonne idée. Mais en tout cas, on peut le faire. Pour résumer, ça, c'est mon modèle de smartphone. Les physiciens, on fait toujours ça. On fait toujours des petits dessins à la fin. Et les designers aussi, ils font des petits dessins, mais ils sont bien meilleurs que moi pour faire des petits dessins. Et donc ça, j'ai une frustration de ce côté-là. Donc finalement, un smartphone, c'est un truc qui mesure. À l'intérieur, il y a un traitement scientifique des données. C'est envoyé sur l'interface de l'utilisateur qui a été faite par les designers. Et le résultat des courses, c'est que quand vous l'utilisez, vous ne voyez plus la couche scientifique. La couche scientifique, elle est dedans, elle fait le boulot. Et les designers ont fait en sorte que l'interface utilisateur vous cache, vous masque pour votre propre usage et tout va bien comme ça. Alors, si vous prenez par exemple, pas à Toulouse mais à Bordeaux, peut-être qu'à Toulouse il y a quelqu'un qui le fait mais je ne le sais pas, et en tout cas à Bordeaux il y a Ulysse Delabre qui est un des enseignants de l'université et qui fait ça. Moi aussi je l'ai fait beaucoup, c'est-à-dire on se dit ben, la partie interface utilisateur on l'enlève et on va extraire les données directement et on va faire de la science pure et dure avec ça. Donc ça marche très bien, ça veut dire que les gens comme moi, je regarde le smartphone comme étant un laboratoire. C'est exactement ce qui est écrit là. Mais l'étape dans laquelle on est en train de travailler maintenant, c'est de dire non, non, on garde le design, on va travailler avec les designers, les gens comme moi, les enseignants de sciences, on travaille avec les designers et on va refaire ces interfaces utilisateurs maintenant pour nos projets d'éducation. Là, c'est pour la science, mais ça pourrait être pour bien d'autres. Dans le cas de Marion Voileau avec la géante endormie, c'est pas pour enseigner de la science, c'est pour enseigner le mouvement, la maîtrise, à être ensemble, à collaborer et à commencer à se contrôler et à contrôler ses gestes. Hein. C'est sur les problèmes de mobilité. Donc, c'est un petit peu le cadre dans lequel on travaille. Donc, vous voyez que cette alliance, pourquoi elle est intéressante finalement fondamentalement ? Quel est le cœur de l'affaire dans ce que je vous ai présenté dans une alliance science et design ? En fait, on arrive bien à travailler les scientifiques et les designers. Donc vous avez eu Julien Bobroff ici à Toulouse qui travaille depuis longtemps comme physicien, quoi. Enfin on fait le même métier et avec des designers. On est un certain nombre en France et dans le monde avec des scientifiques qui se sont mis ces dernières années à travailler avec des designers. Il y a par exemple, je pense qu'un des promoteurs de cette relation-là a été Alain Cadix qui était le directeur de l'école de design qui s'appelle l'ENSI les Ateliers à Paris, qui est l'école de création industrielle. Donc il y a eu un mouvement depuis une dizaine d'années de gens comme ça qui se sont mis à travailler science et design beaucoup. Donc je vais donner une raison là, mais pour que ça marche. Quel est l'intérêt fondamental de cette complémentarité ? Alors déjà, les designers et les scientifiques, ce sont des gens qui font pour de vrai. Ça veut dire on se coltine avec le réel. En gros, on accepte que les choses ne marchent pas. Parce que quand vous commencez à faire une expérience, ou les designers, quand ils commencent à faire des montages, en général, ça ne marche pas. Le résultat, c'est que il faut passer cette phase où c'est pénible, c'est difficile et rien ne marche. Et au bout d'un moment, on maîtrise, on apprend, on rentre dedans et ça finit par marcher. Donc quand on travaille ensemble, on accepte cette idée d'être dans le dur du réel et de faire en sorte que les choses marchent. Et après, il y a une complémentarité qui est, je trouve, assez extraordinaire.
finalement, moi, comme scientifique, je vais vous abreuver de connaissances. C'est peut-être ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, bon, comme ça, une espèce de rouleau compresseur qui dit, je sais que, j'ai démontré que, les résultats sont ça, et donc je peux, mais j'y tiens. Ça veut dire que c'est de la connaissance qui est objective, qui est fondée, qui est mesurée, qui est validée, qui est partageable. Et tous les scientifiques, on y tient beaucoup. Hein. C'est-à-dire, on rigole pas avec ça. On y tient, c'est quand même le cœur de notre activité, quoi. Du côté des designers, ils sont moins dans cette approche-là. Ils vont être plutôt de dire, mais comment on vit avec ça? Comment on est ensemble avec ça? Comment on regarde le monde et comment on l'habite et comment on vient collaborer entre nous? Je ne suis pas scientifique, j'ai peut-être le droit, et c'est ce que fait Julien Bobrov avec la physique quantique, et de dire, mais les designers vont aider ma mère, qui n'est pas du tout scientifique, à venir peut-être tout d'un coup se dire « Ah, mais ça, c'est comme ça, il y a cette idée-là » et du coup d'avoir une approche qui est peut-être aidée, ça n'en fera pas une scientifique, hein, mais elle comprendra peut-être un petit peu mieux ce que son fils fait ou elle aura l'impression de s'en approcher. Et déjà ça, c'est sympa, c'est bien, c'est agréable, c'est intéressant et c'est une forme de connaissance. Donc, cette alliance-là, elle est vraiment sur ce qui fonde notre regard sur le monde, ce qui le rend solide et constitué, avec « ça ne suffit pas, il faut aussi le rendre viable, et il faut le rendre possible entre nous, et il faut être capable de s'en emparer, scientifique ou pas ». Et ce que je vais dire là maintenant, c'est que c'est peut-être un outil, c'est une grille, c'est peut-être une possibilité quand on est confronté à ça, c'est-à-dire ça, c'est la transition écologique. Donc on a écrit un article, donc François Tadéhi, Gaël Mingui, qui est un des directeurs du Centre de recherche interdisciplinaire, et moi, à la suite de la démission de Nicolas Hulot. Et on ne s'était pas concerté. François a fait une vidéo dans laquelle il a présenté l'idée que je vais vous donner, puis après on a écrit cet article-là. Mais quand on s'est retrouvé après la démission de Nicolas Hulot, on s'est regardé tous les trois, on a dit « t'as vu ?» Alors, je dis, t'as vu quoi? Alors, on a fini par se dire, bon, j'ai vu. Et ce qu'on avait vu, c'était que quand Nicolas Hulot a démissionné, regardez, vous reprenez les. Si vous ne me croyez pas, peut-être que vous êtes passé à autre chose, mais il a parlé de tout. Il a parlé à peu près de tous les ministères du gouvernement, il a parlé des acteurs de la transition écologique, il a parlé des lobbies, il a parlé de tout. Sauf du ministère de l'Éducation et de l'Éducation, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de tout ce qui tourne autour de la recherche et de la connaissance. Il n'y a pas un mot là-dessus. Rien. Et vous pouvez regarder après, vous pourrez reprendre maintenant François de Rugy. Jean-Michel Blanquer, une fois, a été questionné par une journaliste de France Inter en toute fin d'interview, et il a dit quelques mots là-dessus. Mais regardez, vous verrez que quand on parle de la transition écologique, le volet éducatif, tout ce qui est l'apprentissage, tout ce qui est la formation, quand même, on est en train de parler, il y a deux chiffres quand même, enfin, il y a deux aspects qui sont majeurs là-dedans. On est en train de parler finalement du monde qui sera celui des gens qui sont actuellement dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Donc en fait, c'est comment on équipe les jeunes générations aujourd'hui pour faire face aux conséquences de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans le passé. C'est de ça dont on est en train de parler. Donc ils sont en première ligne en quelque sorte. Et qui accompagne ces jeunes générations en première ligne? Ce sont les enseignants. Quand vous prenez les enseignants, en gros, depuis la crèche jusque dans l'enseignement supérieur, dans un pays comme la France, ben, vous n'êtes pas loin d'un million de personnes. Hein. C'est pas rien. Hein. Qui ne font pas rien, pour le coup. Il n'est pas vrai que ces gens ne se préoccupent pas de la transition écologique. Ils s'en préoccupent beaucoup. Si vous avez des enseignants autour de vous, donc j'en suis un et j'en ai d'autres, quand même, des professeurs des écoles, ils s'en préoccupent. Il y a des tas d'écoles, de projets d'écoles, de projets de classe qui tournent autour de ça. On n'en parle pas, pas massivement, pas comme ça, mais ça se fait. Alors, pourquoi ça n'a pas l'air de suffire, quoi? Pourquoi? Parce que ça a l'air compliqué, ça a l'air difficile. Alors, ça ne veut pas dire que personne ne s'en est préoccupé et que personne ne l'a commencé à le mettre en avant au plan international. Je vais revenir au design après à propos de ça. Donc, 2015, l'Assemblée générale des Nations unies met en place un plan qui s'appelle donc les objectifs du développement durable pour sa partie française et francophone, et dans lequel les Nations unies identifient 17 objectifs pour transformer notre monde. Vous pouvez en faire la liste vous-même, hein, des 17 objectifs. Hein. C'est ceux auxquels on pense immédiatement. Hein. On va être sur l'eau, l'énergie, la biodiversité, le réchauffement climatique, mais on va avoir aussi les aspects économiques, les villes durables, on va aussi avoir l'éducation, la santé, donc en gros tous les aspects économiques, sociaux et écologiques. Les 17, ils sont associés à ces trois points-là pour l'essentiel. Le 13e, si on prend le 13e, voilà, le 13e, c'est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.
On s'attendait quand même. Ils ne sont pas classés par ordre. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le 13e par ordre de priorité. Hein. Il se trouve qu'il y en a 17 et qu'il faut bien les, numéroter. Donc celui-là, ça c'est la feuille de présentation. C'est quand vous êtes sur le site et qu'on vous présente le changement climatique, eh bien il apparaît ça. Et donc on a mis en place ici ce qui pour les Nations Unies était quand même le point là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien il faut éduquer les jeunes sur les changements climatiques de façon à les mettre rapidement sur une trajectoire écologique. Là par contre, on dit c'est pas de la blague. La question éducative dans la transition écologique est une question centrale. L'UNESCO avec Audrey Azoulay le reprend. Vous, si vous allez sur le site de l'éducation nationale, des choses comme ça sont reprises, mais malgré tout, regardez, dans le débat public, vous n'allez pas en entendre parler beaucoup. Alors on s'est posé un peu la question quand on a écrit cet article, donc tous les trois. Alors on avait pris ce bel oiseau, parce que vous le reconnaissez, c'est celui de Rio, du film. Et en fait, le malheur de ça, c'est que le Rio, ce n'est plus simplement le dessin animé. Donc cet oiseau est déclaré disparu dans la nature. Hein. Là, depuis quelques mois, les associations de protection des oiseaux ont dit ben, « là, on pense qu'il a disparu, ça y est, c'est fini ». Donc le film Rio est devenu réalité, en quelque sorte. Et ici, on s'est posé cette question en se disant « mais pourquoi cette question de l'éducation et de la transition écologique n'est pas aussi massivement discutée qu'on pourrait le souhaiter ?» Et on s'est dit ben, « en fait, c'est pas tellement qu'on la néglige, c'est que c'est infernal, c'est une question très difficile ». Alors je vais essayer de vous expliquer, c'est une partie de la suite de l'exposé, c'est comme ça que le design va revenir. On distinguait, on pourra en parler, parce que on se pose la question, hein. On n'a pas dit qu'on venait comme ça, ex cathedra, expliquer à tout le monde comment ça se passait. Il nous semble qu'il y a deux points. Le premier point, c'est que la transition écologique, donc changement climatique, par exemple biodiversité, gestion des ressources, est-ce que c'est enseigné en physique-chimie, en SVT, en économie, en histoire-géographie où est-ce que c'est enseigné ce truc-là ? Parce qu'en fait, il vous faut tout. Il y a simultanément des aspects économiques, des aspects scientifiques, des aspects sociaux, il y a des aspects qui plongent dans l'histoire, il y a des spécificités géographiques, il y a des questions sociales, enfin, etc. C'est par essence la question qui traverse absolument toutes les catégories du savoir et toutes les disciplines. Donc pour aller l'enseigner, bonsoir. C'est vraiment un challenge en soi, je trouve. Le deuxième point, c'est que, imaginons qu'on y arrive et que, par exemple, on l'enseigne discipline par discipline, ça peut être une possibilité. En fait, on va se heurter aussi au fait que ça ne suffit pas de savoir sur une question comme celle-là. On est en train de parler donc d'évolution majeure de la société dans les années qui viennent, auxquelles, normalement, on doit faire face. On n'a pas beaucoup le choix. Et donc, il faut apprendre et faire. Il faut apprendre et il faut être un acteur. Et il faut être un acteur pour apprendre en réalité. Donc c'est compliqué parce que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement interdisciplinaire et en plus de ça, il faut faire les deux en même temps. Je n'ai pas dit qu'on savait faire hein, à ce point-là. Donc c'est plutôt des explorations. Donc moi, je suis enseignant à l'université et on a commencé par se poser la question, donc, en tout cas pour moi, avec les gens qui sont autour de moi, c'est-à-dire avec des étudiants. Et on s'est dit à cet endroit-là qu'on retrouvait la question de la science et du design. La question de la science, la base de notre compréhension, par exemple, du réchauffement climatique, est une base essentiellement scientifique. Ce sont les scientifiques qui sont à la manœuvre pour savoir si on va passer à 1,5, à 2 degrés, à 3 degrés, à 4 degrés. Donc c'est vraiment à cet endroit-là que ça se joue et ça a été une controverse scientifique dont on peut penser maintenant qu'elle est derrière nous quand même. Donc cette partie-là est très présente. Mais c'est aussi comment chacun de nous va s'emparer de cette connaissance, comment chacun de nous va la mesurer, comment collectivement on va venir faire un récit avec ça, qui va permettre de dire, moi, ce que je fais là, maintenant, dans ma vie, je sais que les autres, partout, sont en train probablement de faire la même chose. C'est ça qui nous attend, hein, c'est ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est peut-être, en tout cas, venir essayer d'analyser ça et de le comprendre à travers cette alliance science et design, et me paraît une possibilité intéressante. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais celle-là, moi, je la trouve intéressante et c'est celle que je connais un petit peu. Alors, comme j'ai beaucoup parlé de manière un peu théorique, on va venir sur des exemples maintenant. Donc, la personne que je vous présente là, sur la photo en haut, c'est Vaibhav Chhabra, qui est donc à Mumbai, en Inde. Et à Mumbai, en Inde, eh bien, il organise ce que je viens de décrire, le apprendre et faire, apprendre et être acteur,
la question de l'interdisciplinarité qui est portée par le fait que donc, cette année, pour la deux ou troisième fois, je ne sais plus, il va réunir donc, du 5 au 14 décembre à Mumbai des gens qui viennent un peu de partout, du monde entier en fait. Ils vont être 150 personnes. Et pendant une quinzaine de... Enfin, du 5 au 14 décembre, si vous voulez vous inscrire, et il y a encore de la place. Et donc du 5 au 14 décembre, eh bien, les gens vont effectivement travailler sur ces questions. Donc là, on les voit, ils ont choisi cette année, ils n'ont pas pris les 17, mais il y en a un qui est donc la santé et le bien-être, l'éducation, l'eau propre et potable, l'énergie accessible et propre, et les villes durables et les communautés. Donc les gens vont se rassembler ici, faire des petits groupes interdisciplinaires, c'est-à-dire que les gens qui viennent, viennent de tous les horizons des connaissances et de tous les horizons aussi du globe. Et ils se rassemblent là-dedans pour faire des propositions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont résoudre la question en 15 jours, hein, mais ils vont aussi se rassembler pour, en faisant ensemble, apprendre et voir comment ils peuvent progresser et peut-être proposer des solutions. Et en tout cas, y réfléchir ensemble. Et vous voyez, alors il y a un petit dessin comme ça qu'a fait Vaibhav, et dans lequel on voit qu'on retrouve la documentation, on retrouve le prototyping, donc le prototypage, pardon. Et on retrouve aussi le fait qu'à la fin, il faut montrer ce que l'on fait. Le jour de la démonstration, c'est le jour dans lequel on montre tout ce qu'on a fait. Et il y a des gens, par exemple, les gens qui s'appellent des mentors, ça c'est pour les gens comme moi, essentiellement, qui arrivent en disant finalement, ah oui, qu'est-ce que vous faites à cet endroit-là ? Mais il me semble que peut-être on pourrait faire différemment. Enfin, j'essaye de, si je suis dans cette affaire-là, j'essaye de dire, c'est Monsieur Plus, quoi, en quelque sorte. C'est Monsieur Plus qui dit, il me semble quand même que là, c'est un peu rapide, ou des choses comme ça. Et... dans cette approche-là, dans cette façon qu'on doit, il y a deux caractéristiques, enfin trois caractéristiques, c'est donc faire ensemble, des gens qui viennent de tous les horizons, ça veut dire aussi des gens qui viennent avec des formations initiales qui sont extrêmement variées, sciences, arts, design, littérature, sciences humaines, architecture, tout est présent. Et le point qu'il me faut maintenant ajouter, je me tourne vers Laurent Chicoineau, parce que je pense que c'est grâce à Laurent Chicoineau que j'ai dû mettre pour la première fois de ma vie un pied dans un Fab Lab. Et dans ce type de d'atelier, dans cette façon de travailler, les endroits comme les Fab Labs sont des endroits extrêmement inspirants. C'est des endroits finalement qui vont fonder ce faire ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans des laboratoires, on ne va pas dans les écoles de design, on se met dans des endroits qui sont pas marqués ni d'un côté ni de l'autre, mais dans lesquels on a une capacité importante de faire, de travailler ensemble sur des machines et de se confronter avec cette réalité. On veut vraiment avoir ces deux aspects-là. C'est pas qu'en Inde. Donc, Laurent mentionnait le fait que je travaille en Chine. Donc, je suis effectivement aussi prof invité à l'université de Tsinghua, qui est une des grandes universités chinoises, qui est à la fois d'abord essentiellement à Pékin, mais qui est aussi présente sur le site de Shenzhen, qui est à côté de Hong Kong, dans le sud. Et on fait donc les universitaires chinois développent aussi. Donc là, c'est au niveau du master, développent aussi exactement les mêmes stratégies, qui consistent à dire. On va se mettre ensemble. Alors là, c'est même, il y a donc des Chinois, des Français, d'autres nationalités possiblement. Et on va appliquer la même stratégie que celle qu'a présentée Vaibhav. On va toujours venir sur des projets, les objectifs du développement durable, des gens d'horizons très variés, dans quelque chose comme un Fab Lab ou en tout cas un atelier où on peut faire ensemble, faire des propositions, traverser la ville ensuite pour les présenter à toute personne qui veut venir. Par exemple, ça serait très bien si on faisait ça à Toulouse, on pourrait présenter ça ici et avoir des gens qui viennent de tous les horizons. Et puis, comme il faut arriver à le disséminer, c'est des stratégies aussi qui sont mises en place, c'est de se dire, bon, on va faire des concours internationaux. Concours internationaux, ce n'est pas tellement pour savoir qui va sortir le premier, c'est que ça permet comme ça de se connaître et ça permet d'avoir une gentille émulation qui fait qu'on travaille ensemble. Donc, il y a un réseau international des gens qui travaillent sur les objectifs du développement durable. En anglais, ça fait Sustainable Development Goals. C'est pour ça que c'est marqué SDG au lieu de ODD. C'est ce qui est là. Et donc, la première fois, ça a été l'an dernier, où les gens ont pu commencer à partager et à commencer à dire, mais alors en Chine, ou en Inde, et aux États-Unis, ailleurs, en Afrique, etc., comment vous faites et quels sont les projets qui vous sont venus à l'esprit, quoi. Je ne résiste pas, bien qu'elle est venue donc, au centre de recherche interdisciplinaire pour discuter avec nous, mais moi, je n'étais pas là quand elle est venue. Alors, je n'ai pas pu rencontrer Kiran Birsetti, qui est une designeuse de formation, qui a surtout créé l'école qui s'appelle Riverside School
et qui est une école en Inde qui va depuis l'école primaire jusqu'à peu près au bac, et qui est une école très ouverte, c'est-à-dire le apprendre et faire, le faire et apprendre, apprendre et être acteur et acteur, être acteur pour apprendre, c'est le cœur de son projet d'école. Donc de travailler aussi en dehors de l'école, dans l'école et en dehors de l'école. Et elle a résumé finalement, et c'est ça qui m'intéressait ici en particulier, elle a résumé la méthode, c'est en plus simple, ce que j'ai déjà présenté avant dans ce diagramme compliqué qui était celui de Vaibhav, qui consiste à dire, écoutez, par exemple là, les gens qui sommes là, il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement. Il y aura bien d'autres personnes dans le monde qui travailleront sur d'autres sujets. Celui-là, je ne sais pas, par exemple, l'eau propre. Voyons-nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'eau. Donc, il nous semble, ça c'est la première partie, c'est « I feel », il me semble que j'ai envie de travailler sur, j'ai envie de travailler sur ce sujet-là. Mais alors, il va falloir imaginer une proposition. Je vous montrerai un cas à la fin. Je vous montrerai un cas à la fin qui est un cas célèbre, où les gens ont finalement suivi ça, qui consiste à dire, il me semble que ce projet-là, enfin, ça m'intéresse. Et puis, on pourrait avoir cette idée-là ensemble. Science, design, mais toute discipline confondue, les gens vont travailler sur... On pourrait avoir cette idée-là, mais après, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, ça a la valeur du vent que vous émettez en parlant, hein, à peu près. Donc, il faut le faire pour de vrai. Dans cette réflexion-là, parce que le monde est réel. Hein. Et puis à la fin, il faut dire à tout le monde, ça fait partie du programme, il faut aller dire à tout le monde que vous l'avez fait. Et il faut exposer votre proposition, parce que peut-être quelqu'un va la reprendre, va la modifier et la faire évoluer. Je vous donne deux exemples, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais on parle toujours trop longtemps. Je vous donne deux exemples. Ça, c'était donc à Shenzhen, en Chine. Donc, je ne suis pas sur la photo parce que je prends la photo. Et ces quatre étudiants, donc il y a un Américain et trois Chinoises, sont venus sur l'objectif du développement durable qui s'appelle les villes durables et les communautés. Donc, ils voulaient travailler là-dessus. Bon, et à bout d'un moment, ils disent, mais ça nous intéresse, mais on ne voit pas ce qu'on peut faire avec. Et puis, on ne le comprend pas bien. Alors, je leur fais, c'est bizarre, parce que vous dites que vous voulez travailler dessus, mais vous ne le comprenez pas bien et vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Il dit, oui, mais il nous semble qu'il est intéressant. Bon, ils tournent en rond, commencent à couper des trucs, à faire, etc. Puis, ils reviennent en disant, non, mais on comprend toujours. En fait, en plus, on fait et moins on comprend. Quoi. Et au bout d'un moment, ils ont fait, mais alors, si nous, on ne comprend pas, c'est qu'en général, en gros, les villes durables et les communautés, c'est de se dire, mais la mobilité, la pollution, l'énergie dans une ville, tous les réseaux d'alimentation en énergie, en eau, donc les voitures, etc. Comment on reconfigure ça? Comment tout ça va se reconfigurer dans le futur? Quels sont les points essentiels? Et comment on peut essayer de s'emparer de ça? C'est de ça dont on parle. Hein. C'est la question d'Anne Hidalgo à Paris, par exemple. Hein. Ça a l'air simple. Hein. Et donc, ils font... mais alors, si nous, on n'y arrive pas, ça veut dire qu'en gros, personne n'y arrive, et en particulier pas un enseignant qui est seul avec sa classe, parce que c'est peut-être quelque chose de difficile. Donc peut-être ce qu'on peut faire, nous, c'est faire une espèce de grande maquette, un truc dans lequel, pas des écrans, on va tourner autour, on va manipuler, on va faire avec, et on va partager ce qu'on est en train de faire. Donc ils ont fait une espèce de grand plateau qui était équipé avec des capteurs et sur lequel vous veniez poser des maisons, des voitures, des immeubles, des routes, etc. Et le truc, il est en train de mesurer. Chaque fois que vous posez une maison, paf, il dit, tiens, c'est une maison à cet endroit-là. Et donc, il est en train de calculer ce que c'est que votre ville. Et il vous dit, bah, pour le CO2, celle que vous avez faite, ce n'est pas terrible. Pour la mobilité, quand même, ce n'est pas terrible non plus. Donc, c'est un projet qui est en cours. Hein. C'est clair que dans la durée qui était là, ce n'était pas fini, mais c'était cette idée qui était celle-là. Et donc, finalement, le cœur de l'affaire, c'est d'abord, technologiquement, ce n'est pas très facile à faire. Donc, ils ont appris beaucoup, parce que c'était une grosse bataille. Et c'est fait pour. Et le deuxième aspect, c'est de se dire, mais plutôt que de faire quelque chose qui soit une solution, qu'est-ce que vous allez faire comme solution quand vous êtes un groupe de 4 étudiants et que vous travaillez 15 jours ensemble? Vous n'allez pas révolutionner les villes durables, quoi. Non, là, ils se sont dit, non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une pédagogie de la ville durable. On va essayer d'aider, en tout cas, un outil pédagogique. Une pédagogie, elle est trop loin. Mais un outil pédagogique dont peut-être quelqu'un pourra l'améliorer, s'en emparer. Ce n'est pas les seuls à avoir fait ça. Il y a eu d'autres projets dans le monde, dans d'autres pays, où les gens sont venus exactement sur les mêmes questionnements avec des projets qui sont assez proches de celui-là. Celui-là s'appelle Brain City. Celui-là, je l'aime bien quand même. Ça, c'est l'Institut Pasteur, avec donc cette école de design que je mentionnais à Paris et qui s'appelle Mosquito. Et la question essentielle, évidemment, c'est que les moustiques dans le monde tuent bien plus de monde que les requins. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. D'ailleurs,
La différence est juste monstrueuse par le fait que les moustiques sont des vecteurs de maladies et de plusieurs maladies. Et on a perdu l'habitude, ce qu'on avait fait en France quand je devais être un tout petit garçon, de passer du DDT sur certaines des plages françaises dans le Languedoc-Roussillon pour éliminer tous les moustiques, quoi. Donc on ne fait plus ça parce qu'on s'est aperçu après que c'était un peu ennuyeux aussi. Et donc là, l'idée, c'est de construire toute la chaîne qui va depuis le piège à moustiques, l'analyse du moustique pour vérifier s'il transporte une maladie ou pas, l'Institut Pasteur. Et finalement, un point très important, c'est comment vous donner la capacité aux gens de s'emparer de cette information, de vivre avec, de la traiter, de réaliser l'endroit où ils se trouvent. Est-ce que les moustiques, là où je suis, sont infectés ou pas? Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas? Et donc, il y a les trois aspects qui sont traités ici. Le piège, l'analyse du moustique, le rassemblement de l'information et le retour de l'information sur les gens qui ont fait en gros la mesure et de savoir quelles mesures ils doivent prendre pour se protéger ou bien si tout va bien. Donc ça, ce sont des projets qui sont pour le coup sur des équipes de scientifiques et de designers avec l'ambition d'aller donner des outils aux gens pour qu'ils puissent prendre en main eux-mêmes les mesures à prendre pour se prémunir contre ces maladies. Celui-là, je saute et je termine avec celui-là. Parce que celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. 1 milliard de personnes sur Terre, je crois, n'ont pas accès au réseau électrique. Ça signifie que quand vous n'avez pas accès, vous vous éclairez en brûlant en général de l'essence, par exemple. Et puis, tous les gens qui... Quand on va à l'école, on n'étudie pas que pendant les heures où il y a de la lumière, du soleil, pour ou lire ou étudier. Il faut s'éclairer, souvent. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de reconstituer des réseaux massifs pour pouvoir avoir un éclairage. Et là, ce qui est proposé, ce que beaucoup de gens ont fait, c'est de se dire, vous prenez un panneau solaire, vous mettez une batterie, vous mettez une LED, la journée, vous éclairez le panneau solaire, vous stockez dans la batterie, et la nuit, vous éclairez avec la LED. Tout va bien. Beaucoup de gens ont fait ça. Olafur Eliasson, qui est un artiste, mais aussi designer, qui travaillait avec un ingénieur, a rajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a rajouté? Une petite fleur. Le projet s'appelle Little Sun Lamp, la lampe du petit soleil, quelque chose comme ça. Il y en a maintenant, je crois qu'ils ont passé les 500 000 petites lampes produites comme celle-ci. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il ajoute en faisant ça? Il ajoute que les gens savent, ils font une espèce de communauté de gens qui ont fait des petites lampes. Il y a des réseaux de gens qui sont des petites lampes, et des endroits ou des villages sont équipés avec ça. Alors, ils peuvent pas s'équiper eux-mêmes en quelque sorte, ils ne peuvent pas construire ces petites lampes-là. Ça, c'est un peu la limite de l'exercice dans ce cas-là. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une espèce d'âme du projet qui est toutes ces gens qui peuvent se reconnaître comme participants à ce type de projet et en ayant repris la main sur les formes d'énergie dont ils sont les utilisateurs. Et puis, la petite fleur est jolie et la petite fille qui est en train de le regarder, ça fait une photo que je trouve vraiment magnifique pour terminer cet exposé. Donc voilà, finalement, de quoi j'ai parlé? Eh bien, de se apprendre en faisant et de faire en apprenant, d'essayer de le comprendre et de le mettre en œuvre sur la base de cette alliance science et design, de s'ancrer, parce que c'est l'urgence, sur ces projets qui sont inspirés par les objectifs du développement durable, d'accepter le fait qu'on travaille à petite échelle et qu'on travaille localement, et pas nécessairement à grande échelle, mais qu'en le publiant, l'exposant et en le faisant peut-être un peu partout, eh bien, on peut se raconter une histoire commune autour de ça et aller vers un futur qu'on préfère. Et ça veut dire pour ça que ce qu'on observe, c'est que ça marche vraiment bien si les gens sont d'origine très variée. Dans un groupe, si vous êtes 4 personnes les mêmes, si vous mettez 4 ingénieurs ensemble, ben, ça sera beaucoup moins bien que si vous mettez un ingénieur, un architecte, quelqu'un qui a fait des études de littérature ou d'histoire, et complétez vous-même pour la 4e personne. Il faut des gens très différents. Il faut avoir une confrontation des connaissances, des expériences et des cultures pour faire émerger quelque chose qui soit intéressant et qui dépasse le cadre des personnes qui sont là. Et un bon endroit pour le faire, mais c'est un endroit où on peut commencer à bricoler. J'ai eu des étudiants qui, à la fin, ont terminé leur projet dans la cuisine. D'ailleurs, je pense qu'il y a des parents, peut-être, ils avaient donc squatté la cuisine d'une des familles pour finir le projet. Ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu de souci.
Et c'est donc à peu près les points que je voulais mettre en avant. Ce projet aussi, toute cette réflexion, était aussi portée donc par un projet de l'Agence nationale pour la recherche qui s'appelle DECITEC. Et ça me permet surtout de remercier tous les gens avec qui j'ai travaillé pendant ces années, que sont donc Julien Bobroff, Olivier Hirt, ça c'est pour l'ENSI les ateliers, Mathias Béjean et Annie Gentès à Paris Tech. Donc là aussi, des gens très différents qui ont travaillé ensemble pendant 4 ans autour de ces questions-là. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez plein de questions et si vous n'êtes pas d'accord, j'en serais très heureux. Merci, merci beaucoup, Joël. Peut-être tu peux venir me rejoindre. Et alors voilà, pendant que vous êtes en train peut-être de réfléchir à une prochaine question ou à un commentaire, que ce soit là dans la salle encore une fois ou sur Facebook où nous avons eu quelques petits échanges dont on va parler. Merci pour cette intervention. C'est vrai que c'est assez, j'allais dire, jouissif de voir enfin quelqu'un qui nous parle d'éducation avec le faire et avec le partage. J'avais envie de dire que plus qu'une diffusion de la connaissance, en fait, c'est une décentralisation un peu des savoirs que vous faites à travers tous ces projets avec les designers où chacun fait et ensuite partage. Oui, là donc j'ai surtout parlé de l'université parce que c'est ma proximité et que quand même à un moment donné il faut que je fasse ce que je sais faire. Mais ces réflexions-là, et notamment au centre de recherche interdisciplinaire, avec des opérations comme les Saventuriers qui touchent des collèges en particulier, des écoles primaires, eh bien là, on est, oui, sur une approche de la connaissance, sur sa mise en œuvre, qui essaye d'aller au-delà, par exemple, de l'expertise. Dans les schémas que j'ai présentés, vous ne l'avez pas vu passer parce que je ne l'ai pas détaillé, mais il y a aussi cette question, c'est... Ce science et design, il doit nous permettre de travailler même si je ne suis pas un expert de la question. Et on a une chance inouïe de ce point de vue-là aujourd'hui, et je ne l'ai pas assez souligné, c'est un peu ce que j'ai raté dans la présentation, du coup je vais me rattraper maintenant, mais que j'avais dit quand j'ai présenté les smartphones avant. C'est-à-dire qu'on a une chance qui est incroyable, c'est que toute connaissance est accessible très rapidement pour autant que vous sachiez ce que vous allez chercher. Ça, c'est un peu la difficulté quand même. Mais donc, quand vous êtes à 4, on arrive à se dire « Ouais, il faut que j'aille chercher ça, il faut que j'aille chercher ça et ça. » Et là, le science et design va être intéressant parce que, somme toute, ce que vous ne voulez pas, c'est des fake news. Vous ne voulez pas... On dit de l'infox, c'est ça maintenant ? Voilà. Vous ne voulez pas ça. Ouais, ça fait bien. Et... ouais, non, c'est... L'infox. Et... Moi, je ne l'ai pas appris depuis longtemps, donc j'en profitais pour le recaser et montrer que je savais. Quoi. Et à cet endroit-là, ça signifie qu'on va venir travailler sans être un expert, on va aller chercher cette connaissance qu'on n'avait pas, mais les 4, 5 personnes, par exemple, qui travaillent ensemble, ne vont pas faire l'économie de ce que c'est que la méthode scientifique et de son esprit critique. Ça veut dire de dire, mais est-ce que cette connaissance que j'utilise, est-ce qu'elle est valide, est-ce qu'elle est fondée, est-ce qu'elle est pertinente pour mon projet ? Et ça va être quelque chose de très important. Donc ça veut dire que, mais ça c'est accessible partout en quelque sorte, pour autant aussi qu'on puisse travailler en réseau. Donc dans ce que tu disais sur la décentralisation, il y a cette idée que d'une part, il faut le faire ici, maintenant, localement et à son échelle, mais on a la capacité aujourd'hui d'avoir toutes les connaissances et de se connecter. Ça veut dire aussi d'aller chercher un avis extérieur et en disant, là, je suis un peu à la limite de ce que je peux faire, mais peut-être quelqu'un va pouvoir m'aider. Donc, toutes ces modalités du travail, d'apprendre et faire ici, faire en apprenant, apprendre en faisant, mais aussi en convoquant les bonnes connaissances, en les validant, en les travaillant, le design va venir permettre de les décaler, va venir permettre de les remettre dans le contexte qui nous intéresse et de faire émerger des idées peut-être qu'on n'aurait pas eues immédiatement. Et... quand je dis le design va permettre de le faire, c'est presque l'esprit du design qui va le faire. Parce que quand vous mettez 4 personnes ensemble et que vous avez ce contexte qui est mis en place avec le fait que vous les faites travailler ensemble dans une durée limitée, cet esprit de la science et du design va se mettre en œuvre pour autant que vous travaillez en réseau et que vous ayez la capacité d'aller contacter des gens. Donc oui, c'est des approches qui sont décentralisées, qui sont liées quand même. Donc ça veut dire que beaucoup de petits points, on peut imaginer, qui travaillent sur un projet à un endroit donné, mais ces projets doivent discuter entre eux. C'est aussi pour ça que des gens comme moi, eh bien, même si pour la transition écologique, ce n'est pas top, ça signifie que je me retrouve à voyager en Inde, en Chine, en France, à Grenoble et à Paris, parce qu'on est dans le lancement. Donc on peut espérer qu'un jour, on n'aura plus besoin de le faire, parce que sinon, on perd un petit peu le bénéfice de l'affaire en allant se mettre dans des grands avions qui, sur des longs courriers, c'est particulièrement...
dévastateur. Quoi, voilà. Enfin, on a vu quand même il y a deux jours comment les designers et les ingénieurs réduisent aussi les consommations en travaillant sur les ailes d'avions. Oui. Ça me fait penser, puisque tu évoques les avions, sur les nouveaux Airbus, par exemple, comment on peut réduire énormément les consommations. Alors peut-être vous avez des questions, des commentaires. Je vois les gens... Oui, alors merci de prendre le micro. Bonjour. Merci pour la présentation. Juste peut-être plus concrètement, moi j'aimerais me représenter ce que vous faites tous les jours et votre portée. Donc vous êtes enseignant, donc vous enseignez, j'imagine, la physique à quelle université ? Donc moi je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes. Okay. Donc je suis professeur de physique, c'est mon métier. Je suis aussi professeur donc en délégation à l'université Paris-Descartes, qui est Paris 5. Et ce qui est mon activité au centre de recherche interdisciplinaire, où je suis aussi donc un des professeurs qui à la fois développe ces méthodes d'enseignement, d'apprentissage, qui les expérimente avec des étudiants et qui essaye, ce que je vous ai présenté ce soir, c'est finalement l'exploration et le questionnement que l'on a, qu'on essaye de documenter ça, on essaye de corriger nos erreurs et de faire quelque chose qui en plus soit diffusable et soit utilisable par d'autres. Donc c'est un processus en cours dans lequel finalement c'est presque une espèce de... au niveau de l'université, j'entends, c'est une espèce d'exploration partagée entre les étudiants et les enseignants. Parce que sur des démarches comme celle-là, ça n'a pas été écrit avant. Hein. C'est quelque chose qui est en émergence un petit peu sur tous les points du blog. Et donc en même temps, vous travaillez avec les gens que vous nous avez présentés, donc l'ingénieur. Oui, absolument, oui. Et donc vous avez une thèse en cours, c'est ça ? Il y en a un qui commence. En fait, il y en a deux sur ces sujets-là. Il y a aussi donc un étudiant chinois qui travaille aussi sur tout ce qui s'appelle Fang Ke, j'aurais dû le mentionner avant, et qui, au cœur de sa thèse, il y a cette question de comment l'alliance entre la science et le design viennent aussi constituer un cadre de réflexion et une grille de lecture qui nous permet ensuite de travailler avec des étudiants ou des gens, des participants qui viennent de tous les horizons et qui travaillent donc sur ces projets dans ces endroits où on peut travailler ensemble. Et est-ce qu'après, vous avez des collaborations avec des industriels ? Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, ça, c'est super intéressant, mais l'idée, j'imagine, c'est derrière d'avoir quelque chose de concret, donc d'aller avec des gens qui bossent du design dans les industries et qui puissent mettre en application ou, en tout cas, prendre en compte ces paramètres dans ce qui va être designé et diffusé dans la société. Oui. Enfin, pour le moment, c'est assez limité en termes de collaboration industrielle, mais parce que, comment dire, on est dans cette première phase, mais bien sûr que oui, et que c'est aussi d'ailleurs peut-être une autre façon de travailler qui vient d'ailleurs, ces réflexions-là, c'est aussi dans certains endroits des réflexions qu'ont des écoles d'ingénieurs ou d'autres types d'écoles qui travaillent aussi sur ces mêmes bases. Donc c'est quand même un mouvement qui est en train d'émerger. Et on n'a pas... Non, bien sûr, on peut travailler avec des entreprises. Moi, je ne le fais pas pour le moment. Si je le fais, en fait, pardon. Oui, j'étais en train de chercher, je me disais quand même, je dois bien le faire quelque part. Oui, je le fais en Chine. Je le fais en Chine, où il y a une entreprise qui s'appelle Seed Studio, et avec laquelle, chaque fois que je vais en Chine, je discute avec eux et je travaille avec eux. Ce sont les gens, notamment, qui produisent tous les composants qu'utilisent en particulier les makers et les artistes du numérique, mais à une très grande échelle, et qui sont aussi en train de venir. Alors, dans leur cas particulier, eux sont en train de créer une entreprise qui permet d'avoir les outils numériques qui sont faciles à utiliser tant au plan du logiciel que du hardware, enfin du matériel, donc, et qui peuvent être mis dans les mains, par exemple, des professeurs des écoles. Ce n'est pas les seuls à le faire. Il y a d'autres entreprises dans le monde qui le font et qui essayent d'équiper donc, tous les gens qui veulent venir sur ces projets-là. Ça permet de travailler sans être un spécialiste de la question. Mais oui, la réponse, pour faire court, la réponse est oui. C'est essentiel. Oui, vous avez dit que, par exemple, voyager en avion, ça peut être pas terrible du point de vue... Au plan écologique, ce n'est pas reconnu comme étant la meilleure des pratiques. Mais on peut se poser la question, est-ce que vous oseriez vous en emparer, si ce n'est déjà fait, du fonctionnement même de l'électronique, des terres rares, de tout ce qui est... un panneau solaire, par exemple, c'est pas évident que le fabriquer, non, ça soit ouais. Faire fonctionner un circuit. Mais ça va peut-être avec la question précédente. La question précédente, entre les lignes, il y avait le fait que, comment dirais-je, je vis dans le monde réel, quoi. Je vis dans le monde réel d'aujourd'hui et comment dire, je ne peux pas, par exemple, travailler en dehors du numérique. Et quand je travaille dans le numérique, toutes les questions que vous venez de poser sont là. Et donc, y compris dans ces projets, dans les réflexions qu'on peut avoir, ça peut être par exemple un travail qu'on peut faire avec des étudiants qui est exactement ce que vous dites et qui pourrait être de dire, mais
Est-ce qu'on fait un inventaire? Quel type de connaissances on a? Et si on n'utilise pas tout ça, alors comment on peut faire? Et est-ce qu'on peut regarder des grandes entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'elles vont dans certaines vont dans ces directions-là? Il y a par exemple le Fairfox, comment il s'appelle, le Fairphone, voilà, c'est ça, qui essaye, ouais, Fairphone, qui essaye justement de se situer en dehors d'appareils qui sont complètement de smartphones, donc qui sont fixés, auxquels on ne peut rien faire, qui sont modulaires, et qui essaye quand même de se poser la question, par exemple, des terres rares, comme vous le soulignez. Mais je peux pas. Enfin, les gens comme moi ou tous les gens qui contribuent à ça, je dirais que on est en train d'essayer de prouver le mouvement en bougeant, quoi, et en le faisant. Et donc, effectivement, on est comme tout le monde soumis à ces critiques et à ces faiblesses-là. Si on pousse un peu plus loin, est-ce que vous pensez qu'il y a une issue qui permettrait d'avoir un haut niveau de performance, de communication, de calcul, etc., qui puisse nous épargner ce qui est rare? Le gaspillage qu'il y a. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce que je peux faire, c'est regarder comme vous ce qui s'est passé. Il y a quand même des cas, par exemple, où on a réussi. Alors, c'est peut-être pas encore à l'échelle, mais on a réussi. Par exemple, quand s'est posée la question du trou d'ozone et du CFC, ça, c'est un cas où on a quand même bien amélioré les choses dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il y a eu des cas comme ça où on s'est mobilisé. Vous regardez, on a quand même fait des... Enfin, comment dirais-je? On a quand même fait, dans les 50 dernières années, on a développé donc des voitures, des avions, des smartphones, et on a vécu sur une loi de Moore qui s'est vérifiée d'année en année pendant des décennies. Donc ça veut dire que quand il s'agit de faire des transformations massives, eh bien, on l'a fait. Je veux dire, je ne sais pas si on réussira à nouveau à le faire, mais on l'a fait. On a transformé le monde dans le dernier demi-siècle d'une manière absolument considérable, et on a résolu des paradoxes et des questions qui paraissaient d'une très grande difficulté. Je ne sais pas si au départ, on était certain qu'on pourrait y aller. Donc, je n'ai pas la réponse. Ce que je dis, c'est que, en tout cas, on a fait des choses qui étaient extraordinaires sur les 50 dernières années. Le résultat, par contre, des courses, c'est que ces choses extraordinaires, maintenant, on est en train de dire, ça a des effets secondaires qu'on aurait peut-être dû prendre en compte initialement. Mais la partie se joue, quoi. Donc, comment elle va se jouer et quel va être le résultat, ni vous ni moi ne pouvons réellement le dire. C'est une création de tous les instants, quoi. Une autre question, un autre commentaire? Moi, j'en ai un en attendant. En fait, ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on a tout ce qui vient d'être dit sur les enjeux du développement durable. Dans la rencontre entre science et design, on a eu beaucoup de témoignages aussi ici sur la dimension multiculturelle. C'est-à-dire que Julien Bobroff, la semaine dernière, nous disait qu'à la fin de toutes les collaborations avec les designers, finalement, ils ne comprenaient toujours pas mieux le design et réciproquement, les designers ne comprenaient pas mieux la physique quantique, mais ils n'avaient pas forcément progressé en termes de connaissances théoriques, mais par contre sur comment travailler avec quelqu'un qui partage, qui a une autre culture que soi, quelqu'un qui a d'autres connaissances et quelqu'un qui a un autre cursus professionnel, là il y avait énormément de progrès qui étaient faits et c'était une méthode très intéressante pour cela. Et là, en plus de ça, là on le voit à l'échelle internationale, puisque on a eu des exemples en Chine avec des étudiants américains, chinois, indiens, des européens, vous avez parlé d'africains aussi. Donc il y a aussi c'est aussi un savoir très important, un savoir-faire très important. Cette rencontre science et design, ça a produit aussi du multiculturel et de la connaissance interculturelle. Oui, alors ça, pour dire les choses, c'est un aspect qui me bluffe complètement. Alors, il y a deux points quand même qui me surprennent. Moi, j'ai appris un néologisme que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle les non-savoirs. Les savoirs, je vois à peu près ce que c'est, mais les non-savoirs, j'ai un peu plus de mal. L'idée là-dedans, c'est que, donc moi, je suis physicien, et si tout d'un coup, j'ai une idée qui mobilise des connaissances en géographie, comme géographe, je vous garantis, je ne suis vraiment pas bon. Et finalement, dans ce type d'atelier, dans ce type de travail, ça va être intéressant peut-être de m'appuyer sur quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner dans les bêtises que je vais dire sur la géographie, parce qu'il connaît de la géographie. Et en fait, il va aller chercher dans ce que je dis, il y a peut-être une idée qui est intéressante. Mais il me faut un géographe ou quelqu'un qui va pouvoir me faire une référence, on va pouvoir aller chercher ensemble. Parce que je peux peut-être prendre le risque de dire des bêtises s'il y a quelqu'un qui va m'aider à nettoyer les bêtises pour ne garder peut-être que l'idée qui était intéressante. Donc il y a une espèce d'appui réciproque pour aller au-delà de mes connaissances et aller m'appuyer sur celles des autres. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, mais... Et l'autre aspect que soulignait Julien, et je pense que sur lequel on est d'accord, Julien Bobroff, donc, c'est que l'objectif là-dedans n'est pas
que vous appreniez les connaissances des autres. Et ça, c'est pas possible. C'est un truc qu'on a discuté dans le XXe siècle à perte de vue. Il est impossible pour toute personne d'avoir une connaissance universelle. L'affaire est terminée. Elle est terminée déjà depuis probablement un certain nombre de générations et ça ne reviendra pas. Donc, c'est pas ça l'idée. C'est hors de question. L'idée, plutôt, c'est de se dire comment je m'appuie sur les connaissances des autres. Comment je fais émerger des idées que je peux avoir en les validant et en m'appuyant sur ce que les autres savent et sur toute cette connaissance qui est disponible partout. Je ne dis pas qu'on sait faire encore, je dis que c'est ce qui est à l'œuvre. C'est comment je construis, en fait, comment, au lieu de travailler sur l'intersection, quand vous travaillez sur l'intersection des connaissances, en gros, le savoir que nous avons en commun, on peut prendre deux personnes dans la salle et on va se dire quel est le savoir que nous avons en commun, le savoir solide que nous avons en commun. Ça ne va pas faire grand-chose en général. Oui. Ce qui est plus intéressant, c'est de travailler sur la réunion de vos connaissances. Et ça, quand on commence à travailler sur la réunion des connaissances en ajoutant toutes les connaissances qui sont disponibles en ligne, là, ça commence à faire beaucoup de choses. Donc cette idée déjà de pouvoir travailler non pas sur simplement mes connaissances et l'intersection avec quelqu'un d'autre et de manière un peu séquentielle, au contraire, de pouvoir travailler en même temps et sur l'ensemble des connaissances, ça c'est beaucoup plus... Mais il faut une méthode pour ça. Et il faut réussir à le faire, et il faut garder une espèce de rigueur et de pertinence. Le deuxième point sur l'aspect culturel, alors celui-là, il est incroyable, je trouve, parce que, finalement, les différences culturelles, les différences de genre, les différences culturelles viennent enrichir le processus. Il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire que vous pouvez faire travailler des Indiens avec des Chinois, avec des Américains, des Européens et des Africains... Ça marche à tous les coups. Quand vous mettez des gens pour travailler sur un projet et qu'ils ont non seulement des différences de connaissances et d'études ou de choses comme ça, mais en plus des différences culturelles très importantes, eh bien, vous apercevez que ces différences culturelles vont au contraire venir... C'est aussi des formes ces différences vont enrichir la réflexion que vous avez. C'est-à-dire que vous allez aller chercher chez l'autre ce qu'il a de spécifique et tout d'un coup ce qui vous étonne. Et le résultat, ce qu'on observe, ce n'est pas quantifié, ce n'est pas une évaluation scientifique, mais en tout cas ce qu'on observe, c'est que ça vient enrichir la démarche. Ça vient lui donner plus. L'approche de la technologie par des Chinois ou l'approche de la technologie par des Français, ce n'est pas la même. C'est la façon même de l'utiliser, de la placer dans une société, la façon de la considérer en liaison avec toute une histoire, la taille d'un pays et la façon de la mobiliser, c'est vraiment pas la même. Et donc, ça signifie qu'il va y avoir une espèce de confrontation. Mais cette confrontation est un enrichissement pour autant que ce soit une confrontation productive. Et c'est ce qu'on voit. Dans ces contextes-là, eh bien, ces différences culturelles apportent et ne bloquent pas. Et j'en suis parvenu encore. Je n'aurais pas parié initialement. Une question dans la salle. Sinon, on a des questions sur Facebook aussi. Du coup, on revient en France, là, cette fois-ci, du côté de l'éducation nationale, puisque, en fait, tout ce que vous avez présenté est aussi lié à l'éducation, à l'apprentissage. Et donc, une des questions, c'est comment l'éducation nationale, est-ce qu'elle est prête pour faire ça, ce type d'apprentissage ? Est-ce que la manière dont l'école est organisée peut accueillir ce type de nouvelle méthodologie ? Et comment accompagner des enseignants qui se retrouvent souvent démunis face à ces méthodes nouvelles et face à des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément beaucoup ? Oui, évidemment, ça, c'est la question difficile. Ça, c'est le problème parce que... Bon, on a mis un peu de temps pour construire l'éducation nationale et c'était normal qu'on mette un peu de temps. Je disais que c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, quand on doit aller de l'école maternelle jusqu'à l'université, on doit parler de, je ne sais pas, 8 à 900 000 enseignants. Donc, vous mettez un certain nombre d'enfants, d'élèves et d'étudiants en face et donc vous avez des millions et des millions de personnes qui sont à l'école et dans l'enseignement aujourd'hui. Donc, quand vous faites bouger quelque chose comme ça, il faut y penser deux fois, quoi. Et c'est difficile. Et c'est des... Alors, ce qui est clair, par contre, enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai en tout cas, c'est l'engagement des gens. Il y a quand même un engagement des gens qui est fort et une conscience de ces questions-là. Il me semble que ça se met en route et qu'on voit cette question du projet, cette question de travailler au-delà d'une classe avec son enseignant qui est dans la classe, donc d'avoir des classes qui sont plus ouvertes, d'avoir beaucoup plus de transversalité, d'avoir des échanges comme ça. Il me semble que ça se développe. Il me semble que ça se développe et ça se développe dans le monde entier. Si on le regarde à l'échelle de la planète, il y a des mouvements qui se font dans cette direction-là parce qu'on n'a pas trop le choix de toute façon.
On n'a pas trop le choix et c'est ce qui était dans les objectifs de développement durable et ce que j'ai présenté en disant dès que les Nations Unies ont présenté l'objectif lié au réchauffement climatique, ils ont mis en regard l'éducation. Et cette éducation-là, elle se heurte au fait qu'on n'a pas le temps et que c'est transverse et que ça passe à travers toutes les catégories de la connaissance. Donc non, c'est pas facile. La réponse, c'est on ne va pas faire un plan immédiatement pour l'année prochaine. Et en plus de ça, on voit bien que c'est des formes pédagogiques qui demandent à être stabilisées et qui demandent à être articulées avec tous les enseignements que l'on fait. Mais en tout cas, ça me semble être des voies prometteuses et dans lesquelles de plus en plus de gens travaillent à l'échelle mondiale. Hein, parce que, enfin, comment dirais-je, toutes les questions dont on est en train de parler, toutes si on se base sur la transition écologique, justement l'objectif et le fait de travailler dans différents pays et de voir que des pays comme la Chine sont très actifs pour des raisons évidentes. Quand vous êtes à Pékin et que vous avez la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des sols, vous savez pourquoi vous êtes très actifs. C'est quand même c'est pas théorique. Vous avez un problème immédiat. Le niveau de pollution n'a rien à voir avec celui qu'on connaît dans toutes les villes de France, même dans les pires moments. Donc, ça signifie que et pour l'Inde, quand vous parlez de Delhi doit être pratiquement le record de pollution des villes au monde. Donc, on a quand on dit, évidemment, ça va être difficile, évidemment, ça fait bouger des nombres importants, mais on a, en tout cas les adultes, on n'a pas trop le choix pour la façon dont on doit accompagner les générations qui viennent, parce que dans 20 ans, elles devront être en capacité de récupérer une situation meilleure et être en capacité toujours vivre mieux ensemble, forcément. Alors toujours, puisqu'on parle des générations futures, une autre question, c'est à partir de quel âge on peut commencer à impliquer des jeunes dans ce type de démarche, à l'école par exemple? Est-ce que c'est des démarches qui peuvent se démarrer dès l'école maternelle? Est-ce qu'il faut attendre le collège? Enfin, d'après vous, est-ce qu'il y a un âge particulier? Moi, quand je regarde, alors sur la crèche et l'école maternelle, je suis un peu incompétent quand même. Mais encore que, donc, ce qu'on fait avec Marion, elle ne va pas être contente, Marion, que je le présente comme ça. Dans ce que je présente, dans le travail qu'on fait avec Marion Voileau, donc au Centre de recherche interdisciplinaire, la question du travail autour du numérique et de la façon de s'en emparer, qui est donc un petit peu la déclinaison finalement pour l'école maternelle de choses que je pouvais dire là. Le Ange Ansour, qui dirige le programme au Centre de recherche interdisciplinaire qui s'appelle Les Saventuriers, qui est donc comment l'esprit de la recherche scientifique, l'esprit, là, comment cet esprit de la recherche vient permettre une façon d'apprendre, une façon de travailler justement sur des projets. Et donc, on peut dire qu'un programme comme Les Aventuriers vient travailler ces questions-là. Donc, on est déjà en train de parler d'un nombre d'enseignants qui est vraiment conséquent. On est en train de parler en direct, ça doit être quelques centaines d'enseignants, et à travers des cours en ligne, des choses comme ça, on doit parler de milliers d'enseignants qui sont exposés à ce genre de questionnement et d'exploration à travers ce type de programme. Donc oui, ce n'est pas une question qui est limitée à l'université. C'est une question qu'on doit travailler. Et bien sûr, la question de la formation des enseignants et de comment on accompagne et comment on construit avec les enseignants, ces questions-là est importante. La question de la technologie aussi est importante, parce que ça veut dire que... Et ça, c'est donc ces entreprises comme... il y en a un peu de par le monde. Moi, celle avec laquelle je travaille donc, est plutôt à Shenzhen et en Chine. Mais les gens sont en train de construire du matériel... Donc du matériel, notamment du matériel numérique, des outils, des capteurs, etc., qui sont faits pour les écoles. C'est-à-dire il faut pas se casser la tête avec du câblage, de la soudure, des choses comme ça. Il faut que ça marche très vite, qu'on puisse s'en emparer, il faut que ça marche tout le temps et que ça puisse être mis en œuvre pour travailler ça. Donc il y a aussi dans cette pédagogie-là une dimension technologique, des outils pédagogiques qui est importante. Et il y a des entreprises dans le monde qui travaillent là-dessus. On a des commentaires aussi sur la page Facebook de l'émission là, qui nous disent qu'il y a la main à la pâte. Ça fait penser à l'idée ouais. de la main à la pâte, oui, oui. Où on peut accompagner des enseignants oui. volontaires. On nous dit que sur l'enseignement des sciences, également des gens qui trouvent l'idée géniale de réunir les connaissances par la confrontation des diversités culturelles. Donc là, on revient sur ce que vous disiez par rapport aux Chinois, Indiens, enfin les gens qui travaillent ensemble. Peut-être aussi une intervention aussi. Enfin, on a parlé de la question du récit. Là, il y a deux jours, on avait Alexandre Chasseriot ici sur le plateau qui nous racontait que lui, il est designer. Et dans la relation avec les scientifiques, il a vraiment
la façon de travailler ensemble, pour lui, ça a été finalement de mettre en récit les concepts, les recherches qui étaient portées par les scientifiques, et que c'était peut-être une des façons pour le designer de créer cette communication et de travailler avec les scientifiques, c'était justement le sujet du récit. On retrouve un petit peu ça aussi dans votre présentation sur à la fin, avec cette fleur lumineuse. Oui. Donc, vous aussi, en tant que scientifique, la question du récit, c'est quelque chose d'important dans la collaboration avec le design ? Oui, parce que probablement, la question du récit, telle qu'Alexandre l'a présentée, c'est une façon d'aller au-delà de moi-même, si je puis dire. C'est-à-dire, comment on peut partager un récit commun qui nous permet d'aller vers le futur, d'aller vers la façon qu'on va avoir de travailler ensemble et d'avoir un projet. Et le récit, c'est aussi peut-être cette espèce de trame qui va nous permettre de travailler ensemble au-delà des connaissances de chacun. En gros, est-ce qu'on arrive à se construire une histoire ? Est-ce qu'on arrive à se construire une histoire, par exemple pour la transition écologique, et en se disant il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre de directions dans lesquelles on a envie d'aller, il y a des questions qui nous occupent, et ces questions, on les partage. Et donc, c'est finalement les récits qui font qu'on réussit à avoir le mouvement de toute une communauté, de tout un, peut-être d'un pays, d'un peuple, etc., qui d'un coup se met en marche parce qu'il se raconte la même histoire, quoi. Et ces aspects-là autour de ça, c'est les différences culturelles qu'on voyait. On peut en sourire, mais les différences culturelles qu'on voyait, c'est-à-dire ce que je disais, c'est que quand on va travailler autour de l'eau, vous travaillez autour de la même eau tout autour de la Terre, hein, elle ne change pas, hein, H2O, c'est assez universel, quoi. Et donc, par contre, la façon de l'aborder, eh bien, selon qu'on est dans un des points du globe ou dans un autre, on n'a pas les mêmes problèmes liés à l'eau potable, à son accessibilité, aux sources de pollution, à la façon de s'en emparer, etc. Et donc, on n'a pas d'histoire commune autour de l'eau, hein. L'eau en France, l'eau en Chine, l'eau en Inde, l'eau en Afrique et l'eau en Amérique du Sud, ce n'est pas la même. Hein. On n'est pas en train de parler des mêmes disponibilités, du même futur, des mêmes ressources, de la même façon de travailler avec. Donc on n'a pas, par exemple, une histoire commune autour de l'eau, me semble-t-il. On peut en discuter, c'est quelque chose qui... Je ne peux pas dire que ce soit une vérité établie que de dire ça, mais il me semble. On n'a pas ça. On n'a pas quelque chose qui consiste à dire quel futur global et quelles sont les grandes questions, comment on partage les préoccupations d'un endroit ou d'un autre sur la planète. On n'a pas ce récit global. On n'est pas équipé pour ça. Et les objectifs du développement durable, c'est les questions qui occupent tout le monde. Il y en a 17 et ces questions sont prégnantes aussi bien à Toulouse que à Grenoble, que à Shenzhen, que à Mumbai, que au Texas ou au nord du Canada. Finalement, c'est le nouveau grand récit global dans lequel on vient tisser nos histoires locales. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que pour s'inscrire dans ce grand récit, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Il ne suffit pas de se raconter des histoires. Il faut que ces histoires, que ce grand récit soit attaché à de la réalité et au fait qu'on se confronte avec cette réalité qui nous résiste et qui nous oblige à un peu aller au-delà de nous-mêmes. Quoi. Oui. Oui, peut-être un micro, une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, dans ce cas-là, où est-ce que vous nous conseilleriez d'aller en tant qu'étudiant pour pouvoir créer en fait et donner de notre temps ou nous engager dans cette cause en fait que vous expliquez. Mais peut-être d'aller nulle part. Peut-être de se dire que si vous êtes plusieurs, faites-le. Oui, mais c'est facile à dire. Mais en tant qu'étudiant, justement, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup de peut-être de connaissances suffisantes, même s'il y a Internet et qu'on peut se renseigner aussi. Enfin, je pense qu'il va nous manquer des choses, même si on est encore en groupe. Pour concrétiser en fait des projets. Plus ou moins quand même. Enfin oui, vous avez raison de me renvoyer le fait que c'est pas si simple. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Jusqu'à un certain point. Si par exemple vous êtes étudiant, je ne sais pas. J'imagine que vous êtes étudiante à l'université. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Mmh. Imaginons ça. Eh bien, ça veut dire que vous êtes dans un cadre qui est le cadre de l'université. Donc c'est déjà un cadre qui est extrêmement costaud, hein, qui est très présent et Oui, il est là. Et dans ce cadre-là, en fait, si vous commencez à vous organiser à un certain nombre d'étudiants et que vous, dans l'université, vous dites bah, « Nous, on veut faire des choses comme ça et on veut faire ça », et que vous commencez à l'annoncer, qu'est-ce qui va vous empêcher vraiment ? Mais ma question, elle est plus ciblée sur la suite, en fait. À partir du moment où, par exemple, on trouve un projet à plusieurs, où est-ce qu'il faut qu'on se dirige, en fait, pour produire concrètement, dans le réel, du coup, un projet ? Et pas juste rester sur de la théorie ou sur de l'hypothèse, tout simplement. Ben, on peut en discuter, par exemple, si on est à Toulouse, on peut en discuter avec Laurent Chicoino et avec des gens comme moi, et voir dans quelle mesure on peut aider à faire en sorte que des ateliers de ce type-là se fassent ici, si ce n'est pas déjà fait. Il faudra regarder déjà sur Toulouse ce qui se fait, parce que si ça se trouve, en regardant, il y a déjà des gens qui sont dans des démarches très proches de ça. Moi, j'ai cité les cas que je connais. De loin, je ne connais pas tous les cas.
Et donc, si vous commencez à regarder aussi dans l'université, en dehors, dans le milieu académique, mais aussi en dehors, par exemple, Vaibhav est complètement en dehors du monde académique. C'est une initiative personnelle. Et avec des copains, ils ont construit ça, et maintenant, c'est un Fab Lab sur 3 étages, à Mumbai. Et ils ont fait ça complètement en dehors de tous les cadres. Par contre, à Shenzhen, c'est l'université de Tsinghua qui est une des plus grandes universités, mais il n'y a pas de modèle, quoi, en quelque sorte. Et donc, si vous, je ne sais pas, peut-être... Oui, mais un des premiers Fab Labs créés en France, c'est à Toulouse, justement. Il y a Artilect, qui a été créé ici, à Toulouse, donc qui est un lieu dans lequel vous pouvez aussi aller et développer vos projets. Il y a d'autres Fab Labs qui sont créés dans la périphérie. Il y en a un à Ramonville, je crois, qui vient de se créer aussi. Donc, un Fab Lab qui permet d'accéder à ce type d'outils, qui permet de rencontrer aussi d'autres gens pour pouvoir apprendre à utiliser les machines et les technologies. Et puis il y a d'autres, il y a des associations aussi qui travaillent là-dessus. Il y a des dans le milieu artistique aussi, puisque ce qu'a décrit Joël, c'est aussi des pratiques dans l'art numérique qui sont beaucoup développées. Donc effectivement, il y a un certain nombre de lieux, notamment sur Toulouse, qui permettent de développer ce type de projet. Mais on pourrait imaginer encore une fois que ce qui vous intéresse, c'est l'eau et l'eau à Toulouse. Vous dites, voyons, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est l'eau. Et ce qui m'intéresse, c'est l'eau à Toulouse, et je vais donc aller chercher de l'eau juste à côté, là, la piocher, dans la Garonne, donc. Alors, il y a le canal et la Garonne. Voilà, donc, et vous vous dites, eh bien, maintenant, compte tenu, par exemple, des moyens dont je dispose en chimie à l'université, en biologie à l'université, peut-être dans les lycées, peut-être dans d'autres endroits, vous faites un club d'étudiants, et vous allez voir des enseignants en leur disant, ben, nous, on voudrait regarder un petit peu l'analyser de l'eau. C'est pas du tout une vue de l'esprit, ce que je suis en train de décrire. Il existe donc à Paris, je connais un club d'étudiants, c'est comme ça, et le CRI est beaucoup construit, donc le centre de recherche interdisciplinaire, au cœur, est beaucoup construit sur ces clubs d'étudiants. On a une collection de clubs d'étudiants. Donc il y en a un pour l'eau, et celui qui est pour l'eau, il a aussi récupéré des kits qui existent, qui ont été effectivement développés, et qui permettent de se dire, tout ça est connu, c'est de la chimie qui est rebattue, etc. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que vous le faites, vous, avec des gens qui ne sont pas des chimistes, et vous ne vous posez pas que la question de l'analyse chimique, vous vous posez la question de l'eau qui est ici, là, de la proximité que vous avez. Moi, j'ai vécu, par exemple, toute mon enfance à côté du Rhône. J'ai vécu entièrement toute mon enfance à côté du Rhône, et je n'ai jamais mis les pieds au bord du Rhône. La raison étant qu'à l'époque, le Rhône s'est descendu en direct de la chimie de Lyon. Vous savez, il y a les PCB qui sont encore au fond, et personne ne veut aller draguer le Rhône, parce qu'on sait que si on essaye de sortir les PCB, en réalité, on va les faire remonter. Donc on les laisse au fond en disant, au moins là on sait où ils sont, quoi. Et personne ne les touche. Donc ça signifie que ma proximité, par exemple, avec ce fleuve magnifique et qui a une littérature autour et une présence des gens qui est considérable, eh bien toute mon enfance, j'ai jamais mis les pieds. Personne pêchait dedans, enfin, etc. Maintenant il est plus propre, quand même, c'est beaucoup mieux. Mais donc ça veut dire qu'il y a aussi cette dimension... L'interdisciplinaire, ça signifie aussi comment les gens au bord de la Garonne, comment ils regardent la Garonne, comment moi comme scientifique, si vous êtes scientifique, comment vous confrontez ces points de vue, comment vous regardez l'eau de manière différente, comment vous la travaillez, comment vous vous interrogez dessus, et comment tout d'un coup vous regardez l'eau que vous êtes en train de boire. Et il y a tout ce questionnement qui, dans tout ce que je viens de dire, il n'y a pratiquement pas de moyens. Il y a de l'eau, il y a éventuellement un tout petit peu de chimie, il y a la connaissance qui va autour que vous allez devoir rassembler, et il y a ce partage des expériences sur le fait qu'un fleuve dans une ville, c'est pas rien, quoi. Et c'est le fleuve qui est ici. Et vous pouvez aussi discuter avec d'autres qui vont se préoccuper de la Seine ou du Rhône ou des choses comme ça, et vous êtes en train de parler de votre expérience qui peut être nourrie par les participants et par leurs connaissances qu'ils peuvent avoir eues à l'université, mais pas que. Il y aura peut-être des pêcheurs qui vont venir. Les pêcheurs, ils ont une expérience de l'eau et de la Garonne qui va être encore complètement différente, quoi. Donc, quand je disais, il y a cette idée de le faire soi-même. Il y a un peu de ça. Et puis d'aller voir aussi les gens qui ont un peu plus les moyens et de leur dire, nous, on a cette idée-là, est-ce qu'on ne pourrait pas faire? Et comme en général, en plus, par exemple, les universités développent de plus en plus de Fab Labs en interne et qu'il y en a un peu de partout, ça permet aussi de trouver des lieux pour travailler. Il y a aussi des lieux de rencontre. Hein. Les lieux de rencontre sont importants. Si je peux, 3 secondes. Moi, j'avais adoré, le directeur de l'école d'art à Grenoble avait adoré un peu moins. Mais à Grenoble, il y a eu donc une génération un petit peu dorée d'artistes, enfin, en tout cas on la présente comme ça, qui sont Philippe Parrainaud en particulier, et les gens qui vont avec lui, Dominique González-Foster et Pierre Huyghe, je crois. Et donc on les interviewait en leur disant, et alors, dans les années de vos études, et Philippe Parrainaud avait dit, ah ben la vie à l'école d'art à Grenoble, c'était extraordinaire, parce qu'on arrivait à 8h le soir, et le reste du temps, on était dans les bars de Grenoble, quoi. Donc le...
le directeur de l'école a dit c'était bien, ils ont parlé de l'école, mais enfin, peut-être pas comme ça quand je l'aurais présenté. Quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que y a cette ce qu'il était en train de décrire au fond, c'était cette façon de s'emparer, et les écoles de design là-dessus sont très fortes. Hein. Il y a une spécificité effectivement de cette pédagogie qui, pour des gens comme moi, est très intéressante, qui fait que la réponse que je vous faisais, c'est de se dire mais c'est vous qui êtes au centre du processus. C'est vous qui êtes l'actrice de la question que vous posez, et moi, je vais être là comme accompagnant, et je vais essayer avec mon expérience plutôt de vous accompagner et de rendre votre idée possible. Et les universités sont quand même un endroit, en particulier maintenant, dans lequel on peut travailler ce genre de choses. Voilà, et je complète en disant que Mathieu sur Facebook nous dit qu'il y a aussi le Campus Fab à Paul Sabatier, à l'Université Paul Sabatier, donc un endroit supplémentaire aussi pour aller faire ses projets. Un dernier point aussi pour compléter, enfin pour rappeler ce que vous avez dit sur la question de la documentation et du partage du savoir, puisque là, pour le coup, le Quai des Savoirs peut aussi jouer un rôle, puisque là, par exemple, on présente des travaux d'étudiants qui sont présentés alors en mode, on va dire, exposition, mais qu'on pourrait également documenter, notamment sur les réseaux sociaux ou les médias numériques. Donc c'est aussi ça l'idée, c'est de partager les savoirs à travers la documentation des projets, leur expression. Et là aussi, il y a plusieurs endroits sur Toulouse qui peuvent vous permettre de développer tout ça. Oui, et j'ajouterai cet aspect de la documentation, ça veut dire aussi qu'on est en train de parler des systèmes ouverts, hein, au sens de open knowledge, open research, enfin donc parce qu'on le dit toujours en anglais tout ça. Mais donc c'est les données ouvertes, c'est tout ce qui va avec ça. Et il y a cette idée aussi, quand on travaille sur ces projets, que très souvent, et moi le premier, j'ai fait ça longtemps, en disant « Oh, on va trouver des nouveaux projets ». Jusqu'au jour où l'un d'entre nous a fait « Non, on ne va pas nécessairement trouver des nouveaux projets ». On va plutôt regarder, si ça se trouve, il y a quelqu'un ailleurs qui avait déjà démarré quelque chose, puis il s'est arrêté parce que il n'a pas pu aller au bout, il n'a peut-être pas eu la bonne idée, il n'était peut-être pas le groupe qu'il fallait, etc. Mais par contre, l'idée était super. Et en fait, il faut refaire. Et cette idée de refaire à partir de la documentation et de tout ce qui a été publié pour améliorer ou faire différemment, mais s'inscrire dans une continuité, c'est aussi dans ces explorations pédagogiques quelque chose qui est très important. Et c'est aussi une forme de partage qui est de dire je reprends ce qui a été fait et je vais plus loin. Donc ça, je ne l'avais pas vu venir, honnêtement, jusqu'à ce que quelqu'un dise « Pourquoi faire toujours original ?» Pourquoi ? Oui, mais vraiment, peut-être que l'originalité, c'est dans la continuité de ce que quelqu'un a déjà fait. Et ça signifie aussi que c'est une forme de partage et de peut-être d'aller plus vers des passages à l'échelle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Joël, pour cette intervention et pour cet échange avec vous. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé à cette soirée. Merci aussi à ceux qui étaient sur Facebook. Et vous pourrez retrouver donc cette conférence sur la chaîne YouTube du Quai des Savoirs dans quelques jours et pouvoir ainsi la partager, la revoir et pourquoi pas vous en inspirer. En tous les cas, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.